Il y a très sincèrement une volonté des élus, à la fois je pense qu'il y a une volonté aussi des élus d'entendre et de vouloir se rapprocher et même travailler avec les chefs d'entreprise. Maintenant, il est vrai qu'on est bien souvent encore dans l'ordre de l'annonce, pacte d'avenir, pacte de responsabilité, la fameuse réforme aussi fiscale. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans les actes. Donc je crois qu'il faut absolument que les semaines, les mois, pas plus, semaines et mois à venir doivent démontrer effectivement qu'il y a une volonté maintenant de mise en œuvre. Dans nos entreprises aujourd'hui, on ne voit pas le changement. On a une charge de travail rien que pour toute la partie administrative qui est impressionnante. Et ça, c'est vraiment un frein. Et puis après, il y a toute cette partie où il faut... Alors c'est vrai qu'on doit respecter des heures, on doit aménager des temps de travail. Il y a plein de choses qui nous tombent dessus. Des fois, je crois que ça freine la rentabilité économique des entreprises. Et là, alors que pourtant, je peux vous dire qu'on a des jeunes qui bossent avec nous et qui ont envie de bosser, qui ont envie d'aller loin et qui aiment le travail. On ne peut pas dire que le travail, c'est une valeur qui soit perdue parce que c'est complètement faux. Et justement, il faut dire au gouvernement aujourd'hui, ben, aidez-nous, il y a des jeunes qui ont envie de bosser. Enfin, on a plein d'avenir devant nous, il faut simplifier tout ça.